President. The court is L'audience now est in ouverte. Session. Today we have some important outstanding issues to be addressed in case 002-001, some of which have been raised by the parties du dossier at the 002-01. Certaines des questions ont été soulevées au dernier moment par les parties. The trial chamber will first address Premièrement, the la chambre prosecutor's request to examinera call further witnesses la demande on the events de l'accusation tendant à faire citer à comparaître de nouveaux témoins concernant les événements de Paul Potrey. Toutes les parties auront l'occasion de présenter leurs observations en réponse à Following cette this, demande the trial de l'accusation. Will consider submissions of the Ensuite, parties. On the la Chambre prosecutor's application examinera for reconsideration of les observations des parties not to concernant civil party so la demande sudden. De l'accusation tendant à ce que la Chambre the co-prosecutors will then reconsidère be allowed sa to décision address the chamber de ne pas in regard réentendre to the issues la partie civile Sarin with the trial chamber senior legal officer first. With respect to the request for adverse inferences to be drawn against Kim Sang-Poon d'hier, and second, regarding the admission se posera of documentary evidence des conclusions and the allocation défavorables of E3 numbers, concernant all que parties will be allowed cher. To respond. The chamber notes the Nguyen Chi defense team's sixth and final request to la summons chambre prend note de la TCW 223 de la défense which de Nguyen Chi tendant yesterday. À citer à comparaître TCW 223. This is cette demande a renewal a été déposée of pending motion. Hier, no cette submissions demande constitue are required, une répétition de demande précédente. And the chamber will address this issue in the final decision on witnesses. La Chambre tranchera dans le cadre de sa décision finale concernant les témoins. Following this, the chamber will allow oral Ensuite, submissions regarding the Nguyen Chi's defense team's request pourront être faites to summons witnesses in respect of a late policy of targeting my Republic concernant les politiques alléguées consistant à prendre pour cible des fonctionnaires de la République mère. A courtesy copy of which was provided yesterday. Un exemplaire and de courtoisie finally, de ce document a été communiqué the hier. Will et enfin, oral submissions les observations on the orales defense team's request concernant for information la demande de la défense de Kyo Sang-Poon the condition of Nu Mook's appearance before this court, which was filed concernant yesterday. Une éventuelle comparution de Nu Mook. Document déposé hier. And finally, the chamber will provide further indications to the parties enfin, regarding scheduling of final deadlines. Concernant la fixation des dernières échéances. Starting with the request for witnesses on the events at Dul Commençons par la demande tendant à citer à comparaître les like témoins qui viendraient déposer sur les événements de Tul Potrey. Est-ce que l'accusation souhaite compléter sa demande écrite? And if you have it, please take the floor. Le cas échéant, vous pouvez prendre la parole. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors, Council. Bonjour. We do not have any supplemental nous n'avons submissions aucune observation to add at this time, à ce stade. Other than depending on the response of the other parties nous attendrons to reply d'entendre to la them, réponse but we des do autres not have parties. Any supplemental Le cas échéant, additions nous to what was pourrions submitted répliquer, in our mais pour last l'instant, week. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déposé la semaine passée. And what about the lead co-lawyers Le for Président, civil party? Qu'en est-il you wish des co-avocats to make any pour les comment parties civiles? On this issue? Est-ce que vous avez des observations à ce sujet? Good morning, Mr. Maître President. Bonjour, and Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Regarding the request by the co-prosecutors for witnesses, s'agissant de la demande de l'accusation tendant à citer à comparaître certains témoins, nous appuyons
pleinement une telle demande. Witnesses proposed by the en effet, les témoins envisagés par l'accusation seraient en mesure d'apporter des éléments essentiels au sujet des événements de Tulpo Chray. Namely, the transportation of those who et plus précisément concernant le transport des personnes emmenées sur place, ainsi que le sort de ces personnes une fois arrivées sur place. Ces témoins pourront également éclairer of the Khmer Rouge leadership, as well as la structure de l'appareil de direction des Khmer Rouge, ainsi que les crimes commis so à cet endroit. The request made by the co-prosecutors is appropriate and nous appuyons donc pleinement la demande de l'accusation. President, thank you. Le président. And what about the two merci. Defense teams? Qu'en est-il des deux équipes de défense? For the Nunchi defense, en commençant par la défense de Nunchi, avez-vous des observations formulées en réponse by the à la demande de l'accusation? That is the request for the witnesses regarding the events demande at Tulpo Chray, tendant à entendre so, certains témoins concernant les événements de Tulpo Chray. Je vous en prie. Thank you, Mr. Maître President. Copeau, merci Monsieur Your le Président. Morning, bonjour, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères. We do not have many submissions nous n'avons to make pas beaucoup d'observations à faire. Other than saying that we have read the request, si ce n'est que nous avons lu avec intérêt cette demande, in the light of the recent opposition from surtout the prosecution to compte our tenu du fait que récemment l'accusation s'est opposée à notre propre demande tant dans summonsed. À entendre TCW 382, comme vous le savez, ce témoin TCW 382 est l'un des producteurs du film intitulé Une journée à Tulpo Chray. À notre sens, ce témoin est très important pour éclairer plus avant les événements de Tulpo Chray, surtout puisqu'il connaît des personnes que l'on voit dans le film. L'accusation s'est donc opposée à notre témoin. C'est intéressant quand on voit que l'accusation à présent propose un nouveau témoin. Cela étant, nous attirons l'attention de la Chambre sur nos propres écritures portant la cote E-291, c'est une demande urgente de citer à comparaître des témoins clés concernant Tulpo Chray, demande datée du 17 juin 2013. Dans cette demande, nous demandions à la Chambre de citer à comparaître l'un des témoins dont la comparution est à présent sollicitée par l'accusation, TCW-644. To be heard in our request. Ce témoin figure dans notre demande. But in that same request, dans cette même demande, E-291, we've also, requested the summoning nous demandons of également two additional à entendre witnesses, deux témoins supplémentaires, TCW 802 et 803. In respect of that request was that all notre raisonnement relevant witnesses consiste à dire que tous les témoins order, pertinents cités dans l'ordonnance de clôture ou ailleurs concernant Tulpo Chray devraient être entendus par la Chambre. Having noted this, then of course we do not object to nous ne nous opposons pas à ce que la Chambre entende le témoin TCW 644, mais alors il conviendrait également de citer à comparaître nos deux témoins. Par rapport à ce nouveau témoin, je ne pense pas qu'on lui ait encore attribué de code TCW. C'est une personne qui vient de la liste proposée par les parties civiles pour les dossiers 3 et 4. Tout ce que dit cette personne sur Tulpo Chray n'est guère convaincant par rapport aux faits allégués. En effet, apparemment, cette personne n'a pas apporté de témoignage direct dans sa déclaration, simplement un bref résumé de ce qu'il aurait pu voir ou entendre. Pour appliquer le même raisonnement à ce nouveau témoin-ci,
Sur le plan des principes, nous ne voyons aucun inconvénient à ce que ce témoin soit entendu. Selon nous, les événements de Tulpochrey devraient être examinés de façon aussi approfondie que possible. Nous continuons de penser qu'il n'y a pas de preuves convaincantes que les exécutions aient eu lieu et en aucun cas y a-t-il des preuves qu'il y ait un lien quelconque entre ces exécutions et des ordres donnés par le centre du parti. We noticed that the prosecution is saying in its l'accusation request dans sa that demande they, are having avance, so it seems problems with qu'elle with est confrontée à certains problèmes en matière de quantité de preuves disponibles. Nous souscrivons à ce point de vue. New light that can be shed on the events, s'il est possible d'éclairer ces événements, but not without notre défense ne peut que s'en féliciter, tout en soulignant l'importance de notre propre demande faite la semaine passée tendant à entendre TCW 802, le producteur du film Une journée à Tulpochrey. Merci. President, thank you. Le président, and merci maître. La parole est à la défense de Kyusampa. Merci Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des partis. Je serai bref sur ce point. Nous avions déjà indiqué lors de la dernière réunion mise en état que sur le principe, nous laissions la Chambre apprécier sur l'opportunité de rappeler de nouveaux témoins sur ce fait. Nous constatons simplement que des témoins sont venus témoigner sur Tulpochrey et que apparemment, quand ce que disent les témoins ne suffisent pas à messieurs les coprocureurs, ils demandent de nouveaux témoins. Il va falloir un moment que ça s'arrête, puisqu'il va bien falloir un moment mettre fin à cette procédure. Et c'est simplement ces observations-là que je tiens à mettre en lumière par rapport à la Chambre. Maintenant, encore une fois, s'il s'agit de preuves insuffisantes, peut-être simplement il faut en tirer les conséquences légales, à savoir qu'il n'y a pas d'éléments suffisants sur ce point-là. Ce sont les seules observations que j'ai à faire sur la requête de messieurs les coprocureurs. Stage on the request by the co-prosecutors. Thank you, Mr. President. President, thank you, Council. Le président, merci, maître. President, the prosecutor, you may proceed. La parole est à l'accusation. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I will be brief in view of je serai bref, the Council being relatively brief in their puisque la responses. Défense elle-même a été brève. Let me start by responding to the Kyusampan defense. Je vais répondre à la défense de Kyusampan. The co-prosecutor's position is certainly notre position not that the evidence n'est is pas de insufficient. Dire qu'il y a un manque de preuves. It is rather, as stated in our motion, plutôt, that comme the court indiqué has dans heard écritures, nous from disons several witnesses que la Chambre a entendu plusieurs regarding témoins what would be what was the first step, de la première first stage in the events at Tulpochrey, the gathering of the à savoir, le rassemblement law and all officials and soldiers at Versailles de Hall. Au siège we've heard from a number of witnesses about the plusieurs transportation ont parlé by truck du transport of these individuals de to ces the Tulpochrey site. Par camion vers Tulpochrey. What we believe would be useful to the chamber is to hear from à nos yeux, il serait bon que la Chambre entende deux témoins site. Qui étaient sur one, les lieux de l'exécution. One, a local villager who came the next day dans and un saw cas, the bodies c'est une personne and can qui est arrivée le lendemain et qui a vu les corps. And the second possibility, l'autre a new civil party from possibilité, case 4, ce serait d'entendre une nouvelle partie civile du dossier numéro 4. And it is hard sometimes for us to interpret the statements parfois, because we get simply a brief English summary of the party's civil party application. But it is clear from mais the application that this was an individual, a soldier, who was at, de parti civil montre bien qu'il s'agit d'un soldat qui affirme avoir été présent sur le lieu de l'exécution. On the prosecution side that with a pour defense part, continuing to say that there is no evidence of killings voyons with que la défense witnesses available who were at the execution n'y a site, pas de preuves that it would be beneficial to hear dans ce contexte, nous pensons qu'il serait bon and d'entendre des témoins qui étaient sur place. Voilà donc pourquoi l'accusation
avance une telle demande de citation de témoins. Response to the Nunche defense à présent, j'aimerais répondre à la défense de Nunche, I don't think that is a fair qui a parlé de TCW 382 en faisant une comparaison. Je ne pense pas que la comparaison soit juste. La défense demande d'entendre un producteur de film. D'après le courriel envoyé la semaine passée, nous voyons bien que cette personne ne comprend guère, ne connaît guère les événements qui se sont produits à cet endroit. Dans le courriel en question, l'on voit que cette personne ne comprend même pas son propre film. Cette personne critique une description de son film faite dans le Phnom Penh Post. Voilà tout ce qu'a cette personne à offrir. Par comparaison, les témoins que nous proposons étaient sur place, sur les lieux des exécutions. Ce sont des gens qui ont des informations d'époque. La défense entend faire une comparaison entre nos témoins et un producteur de film. Cette comparaison est déplacée. À part cela, nous n'avons rien à dire en réponse aux observations faites par la partie adverse. President, le président. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Co-procureur. The chamber will deliberate and make a decision in due course. Délibérera et there se prononcera en temps opportun. On the 18th July 2013, le 18 juillet 2013, the chamber to reconsider its decision les co-procureurs not to ont demandé à la Chambre de reconsiderer sa décision de ne pas réentendre la partie civile Sarin. Même si le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité que la Chambre reconsidère ses décisions, it has already ruled. It notes that the lead co-lawyers have given preliminary notice that they wish to be heard on this application. Aux demandes they will be given 20 minutes, s'est déjà prononcé. And la Chambre each defense team 10 minutes, que les co-avocats principaux ont indiqué à l'avance qu'ils entendaient s'exprimer au sujet d'une telle demande. For that reason, the floor c'est is now given to the lead co-lawyers il se voit for civil parties. À présent accordé 20 minutes de temps de parole, tandis que chaque défense disposera de 10 minutes au cas où elle souhaiterait répliquer. On this request made by the Je rappelle qu'il s'agit de la demande of civil déposée par l'accusation tendant à réentendre once la again, partie civile Sarsari. Maître lawyer Van Peu will be assigned to c'est Maître speak Van Peu qui va s'exprimer and à ce sujet. The international lead co-lawyer après quoi, will continue. La co-avocate internationale interviendra. Proceed. Le président, je vous en prie. Van Peu. Maître Van Peu. Good morning, Mr. Bonjour, President, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Good morning, everyone in and around the courtroom. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. In order to respond to the request made by the co-prosecutors for the chamber to reconsider its decision, not de to ne pas recall my la civil party, Sarin, qui est une partie civile que je représente. As a lawyer for the civil party, I fully support étant l'avocat de cette request. Personne, j'appuie pleinement la demande de l'accusation. In the framework that he shall be summoned as a civil party, the request made by il s'agirait the de citer cette personne à comparaître en tant que partie civile précisément. The civil party refused to testify and that he shall be sanctioned based on internal rule 35. Des sanctions sont envisagées. En application de la règle 35 du règlement intérieur, je ne saurais adhérer à une telle demande. What has been submitted by the prosecution regarding internal rule 35 en rapport avec cette règle 35, is inappropriate. L'accusation a avancé des arguments the fact insuffisants. Is my civil party does not en réalité, violate the internal mon client rule 35. N'a nullement enfreint
les dispositions de cette règle 35. My civil party client Saul Sarin was recognized by this chamber as a civil party in case 002 en tant que partie civile dans le dossier 002. By the civil party, and he shall be heard so as a civil party. Cité à and for that reason, he is a party to this proceeding. En tant que partie civile, mon client est donc partie referring à la procédure. To rule 23.4 of the ECCC internal rule, 23.4 du règlement intérieur, which states that civil parties shall not be questioned as an ordinary les witness in this case. Ne sont pas autorisés selon les mêmes modalités qui s'appliquent aux témoins. And another point that I wish to bring to your Honor's attention is that my client refused to testify previously a refusé de déposer based on the reason that he gave on the 29th pour of April avancées par lui-même le 29 avril. It was through the fee and his personal security as well as that of his family members. Sa sécurité personnelle et à la sécurité de sa famille. Concerned. Mon client était extrêmement after inquiet. The return from the testimony from this chamber à la fin de son témoignage. And your Honor actually ruled on les juges se sont prononcés à ce sujet. Decision that is on the day of the testimony of le jour 29 même April. Du témoignage, and le 29 avril, in reference, les juges ont rendu une décision à ce sujet. To your memorandum of understanding on je the 28th of June this year, à votre mémorandum daté du 28 juin, that the civil party il shall est not indiqué be clairement to testify que les parties civiles ne saurait être forcées à déposer. Is this the internal rule that is in reference to rule 23.4? Et ce, en application de la règle 23.4 du règlement intérieur. This is again in regards to the request by ensuite, the co-prosecutors toujours concernant la demande de to reconsider his status tendant as a civil party, à revoir le statut de partie civile it is de my mon submission client. That that request is not appropriate je and for that reason I objected to it. Raison pour laquelle my je m'y oppose. Client is willing to participate mon client in this proceeding in his à capacity à ce as a civil party. En qualité de partie civile. And the reason for his refusal was given il in a his expliqué reasons son refus that is his personal safety and the safety en alléguant of his family des raisons members. De sécurité personnelle et de sécurité des membres de sa famille. He stated clearly on the 29th of April, le 29 avril, his testimony durant sa déposition, regarding mon client, a murder of Mr. Hang Ngao, who s'est was expliqué, a film star in the il a évoqué infamous Killing Field le movie, meurtre who was d'une murdered personne in the United States in 1996. Qui a joué dans le film The Killing Fields. Cet acteur a été assassiné aux États-Unis en 1996. Par ailleurs, transcript. Je vous renvoie this court, au procès which was au cours duquel Duc held on the 25th a affirmé of November ce qui suit. 2009. C'était le 25 novembre 2009. The document 2009, is E3/80.83.1 and in Khmer is 004069 39 and in English 0040673 0 and in French et en français. The interpreter cannot get the ear number. Please ask the speaker to repeat. L'orateur parle trop vite. Dalspalin ban prao samlap français. Trotsky dambei samlap. Les interprètes prient l'orateur de répéter les ERM. My client is fearful of his safety. Mon client a des craintes pour sa propre sécurité. As in the case of the murder of Hang Ngao. Il a évoqué the request made by my client to Nord the chamber on the 29th of April 2013. Le 29 avril 2013, mon client a fait une demande à cette chambre. Was made and the request was subsequently rejected par la suite, by la chambre your Honor a rejeté on the same day. Cette demande le jour même. In the case that the chamber recalled my client, si he shall be recalled as a décidait de réentendre mon client, il devrait être entendu en tant que Honor. Partie civile. Mon client ne saurait être and contraint if it is de déposer. Possible, a security
measures shall si cela be est possible, des mesures de protection devraient safety. Être accordées à mon client pour garantir sa sécurité and personnelle. Through hand of law, à présent, through je vais céder la parole à ma conseillère internationale. Merci. President, thank you. You le may président, now proceed. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Good morning, Mr. President. Good morning. Et bonjour à tous ici. And good morning to everyone here. Je vous remercie de nous avoir permis de pouvoir développer un peu sur cette demande qui a été faite par Monsieur les procureurs d'entendre Sarsarine, qui est une partie civile. Et il est évident, bien sûr, que nous aussi, nous aurions aimé que cette partie civile puisse apporter des éléments de preuve, comme d'autres l'ont fait dans cette chambre. Mais cela dit, je crois qu'il est important, et mon confrère vient de souligner, de respecter d'abord les soucis et les préoccupations de cette partie civile, c'est d'ailleurs son droit. Et par ailleurs, je souhaitais dire quelques mots parce que, pour justifier leur demande, messieurs les procureurs invoquent un certain nombre d'arguments légaux qui me paraissent infondés et dans la mesure où votre chambre, ici, au Cambodge va définir la jurisprudence concernant le statut et le rôle des parties civiles, je crois qu'il est de notre devoir d'expliquer pourquoi chacun de ces arguments, légalement, est totalement infondé et pourquoi ils ne peuvent pas servir de base à une décision qui serait une décision de reconsidération. Il y a deux points importants dans la demande de messieurs les procureurs. Le premier point est une démonstration pour montrer que la partie civile serait assimilée au témoin quant à son obligation de comparaître. Et le deuxième point important, qui est la conclusion de messieurs les procureurs, est de dire que votre chambre pourrait sanctionner cette partie civile en lui faisant perdre son statut. Donc je voudrais évoquer chacun de ces deux points, l'un après l'autre. Pour commencer donc l'assimilation de la partie civile à un témoin, notamment quant à sa convocation et à ses obligations une fois qu'elle est convoquée. Je constate avec un peu de regret que, au bout de deux ans, je continue d'essayer d'expliquer pourquoi la partie civile est différente d'un témoin. Et j'espère que cette fois, je vais y arriver. Je constate que les règles qui sont visées par messieurs les procureurs sont des règles qui sont interprétées au contraire de ce qu'elles disent, et je vais essayer de le démontrer. En tout premier lieu, on nous dit que la Chambre peut obliger une partie civile à venir et on vise l'article 41 du règlement intérieur qui est intitulé en français « convocation » et en anglais « summon ». Et je crois que si on veut analyser ce que veut dire cette règle, il faut se référer au français parce que c'est une règle qui est tirée de la civil law et que par conséquent, on doit rechercher ce qu'elle veut dire en français. En français, convocation ne porte pas en soi une obligation. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que dans le Code de procédure pénale français, j'y reviendrai après, lorsqu'il y a un caractère obligatoire, il y a à ce moment-là des règles spécifiques qui sanctionnent la personne convoquée qui n'y répond pas. J'indique tout de suite que ça n'est jamais le cas pour la partie civile. Donc la première chose, c'est de se reporter au terme français de convocation qui n'a pas de caractère contraignant en soi. Je note également que messieurs les procureurs font mention dans la note numéro 16 qui est au paragraphe 7 de leur mémoire de la règle 80 bis de laquelle, selon eux, on pourrait tirer le fait que la partie civile est obligée de répondre à une convocation. J'ai lu la règle 80 bis plusieurs fois et je n'ai pas trouvé dans cette règle le moindre élément à ce sujet. Deuxième argument de messieurs les procureurs, c'est une référence aux sources de loi et en particulier à la loi française, et c'est la note 23 de leur mémoire qui est contenue au paragraphe 8 de ce mémoire. Et là encore,
À cette note 23, messieurs les procureurs citent l'article 312 du Code de procédure pénale. Je ne vois pas en quoi cet article est contraignant pour la partie civile. Il concerne le fait que toutes les parties peuvent poser des questions aux accusés comme aux parties civiles. Donc je cherche encore la raison pour laquelle il y aurait un caractère contraignant d'une obligation à comparaître. À cette note 23 est visée également l'article 346 du Code de procédure pénale. Et cet article 346 est soi-disant cité à la note 23 du mémoire. Il se trouve que la citation qui est faite à cette règle, à cette note 23, au titre de cet article 346, n'est pas l'article 346 du Code de procédure pénale français. L'article 346 du Code de procédure pénale français parle du fait que la partie civile dispose d'une possibilité de s'exprimer à la fin de l'audience, à la fin des débats, c'est une faculté. Et sous cet article 346, on trouve une jurisprudence en France qui dit bien que c'est une faculté pour la partie civile, c'est-à-dire un droit, et que ne pas user de ce droit ne porte pas atteinte au droit de la défense. En réalité, dans cette note 23, et au titre de cet article 346, la citation qui est faite dans ce mémoire, c'est l'article 329 du Code de procédure pénale français. Et cet article 329 du Code de procédure pénale français vise exclusivement les témoins et en aucun cas les parties civiles. And on no account to civil parties. Enfin, troisième point dans ce premier argument des coprocureurs, c'est la note 31 qui vise cette fois le fait que la partie civile, tout comme un témoin, n'aurait le droit de se taire que si elle s'auto-incrimine. Et là encore, sont visées dans les notes de bas de page uniquement la règle 28 de votre règlement intérieur qui parle exclusivement des témoins. Il n'y a pas une seule référence à la partie civile et il y a effectivement des obligations spécifiques mentionnées quant aux témoins. Même chose au paragraphe 14 du mémoire de messieurs les procureurs, toujours sur ce témoignage d'auto-incrimination, qui serait le seul cas où la partie civile peut se taire, les notes 46 et 48 visent encore cette règle 28 qui ne s'applique pas aux parties civiles. Dernier point de ce premier argument des coprocureurs, c'est au paragraphe 16 de leur mémoire. Les procureurs invoquent le fait que, en se taisant et en refusant de venir, plutôt, pour commencer, la partie civile pourrait être assimilée aux personnes qui font entrave à l'administration de la justice. Toute la jurisprudence citée à ce paragraphe 16 est une jurisprudence qui concerne les témoins dans des procédures internationales où il n'existe pas de partie civile. Bien évidemment, cette jurisprudence ne peut pas s'appliquer aux parties civiles dans notre cas. Pour conclure sur ce premier point, j'indique tout de suite que je serai beaucoup plus courte sur le deuxième point. Pour conclure, je voudrais simplement rappeler, si on vise les sources de loi, que le Code de procédure pénale français sanctionne certaines personnes qui ne répondent pas à une convocation. C'est uniquement les témoins. Et ce sont les articles 437 et 438 du Code de procédure pénale français. Ils visent uniquement les témoins. Quant au Code de procédure pénale cambodgien, auquel votre Chambre se réfère, il faut lire l'article 153 du Code de procédure pénale cambodgien, qui là encore vise expressément les témoins dans le cas où ceux-ci refusent de répondre à une convocation devant le juge d'instruction. Ou bien, il faut se référer à l'article 315 du Code de procédure pénale cambodgien qui sanctionne exclusivement les témoins
qui refuse de répondre à une convocation devant votre chambre. Je précise d'ailleurs qu'avant cet article 315, qui vise les témoins, il y a trois articles dans le Code de procédure pénale cambodgien qui évoquent les parties civiles sans jamais dire qu'il y aurait une possibilité de les sanctionner si elles ne viennent pas. And they refer to persons J'en arrive who would au deuxième be penalized point du mémoire de messieurs les procureurs qui vous demande Now, de sanctionner la partie civile brief, si elle refuse de venir the en expliquant que votre chambre asking the chamber to sanction la possibilité who refuse to appear, de lui dénier son statut de partie civile their status as et de la considérer désormais comme témoin. Et pour justifier cet argument, and that they c'est would la note de bas de page 69 du mémoire de messieurs les procureurs. Cette note vise l'article 23 bis 5 du règlement intérieur. Of the internal rules. L'article 23 bis 5 du règlement intérieur of the internal explique rules précisément explains que la partie civile dispose the civil de son propre droit de décider have the right à un moment donné, au stade préliminaire, de renoncer. C'est donc un droit de la partie civile. Right et je me demande comment so on peut tirer de so ce qui est un droit la possibilité pour la Chambre right de considérer cela comme une and sanction. How can the chamber consider that une sanction doit être écrite. Elle n'est pas écrite dans le règlement intérieur. Et c'est it tout à fait normal. So written in the internal il est rules, donc which is quite absolument normal. Impossible it is therefore que votre impossible chambre sanctionne cette partie civile. To penalize such civil pour conclure encore une fois, and again, je regrette to conclude, de devoir faire ces explications aujourd'hui, mais encore une fois, je crois que c'est important today, que votre chambre rappelle toujours très fermement le statut et les droits des parties civiles parties of the status parce que vous êtes les premiers à le faire dans la justice internationale et qu'on ne peut pas laisser dire que les parties civiles seraient assimilées à des témoins et qu'on pourrait les sanctionner. Can be je vous demande donc de rejeter and can les arguments légaux de messieurs les procureurs pour les raisons que je viens d'expliquer et de bien vouloir considérer given, que ces arguments ne peuvent en aucun cas servir de base can, à une modification de votre décision sur le sujet. For an amendment merci. Of your decision on the subject. I thank you. The President, thank you. Now the floor is given to the defense team. If you wish to respond to this observation by the legal lawyer for the civil parties. No, the translation didn't come through, Mr. President, but la traduction nous est pas just parvenu. A very quick reply. Alors, une réponse rapide. The prosecution has laid down your legal test for reconsideration. It says, and I think that is correct, the pretrial chamber found that it has an inherent power to reconsider one of its previous decisions in three circumstances. One, when a change of circumstance permits it. Two, when the court finds its previous decision was erroneous. Or three, when the decision has caused an injustice. I have heard or read earlier no argument that there is a change of circumstances. I see no reasons to say or to argue that the previous decision of the trial chamber was erroneous, and certainly that the early decision has caused any injustice. So I don't think there's any ground for reconsidering your early decision. De reconsidérer cette décision qui était prise auparavant.
The President. Thank you, Mr. Victor Kopé, for your observation. And Mr. Kung Samon, you may proceed now. Counsel Kung Samon, thank you, Mr. President. And good morning, Your Honours. Good morning to all parties. I have only a brief observation in respect of the request by the application by the co-prosecutor for your chamber's reconsideration of recalling civil party Saw Sarin and the request for various measures to be taken by the chamber. The clarification by the lead co-lawyers for the civil party, I partly concur with their point. However, there are a few other points that I believe that I can enlighten the chamber so that the chamber has the basis for its consideration and decision. Now, concerning the summoning or recalling of a civil party, Saw Sarin, as per the request by the co-prosecutor, we are of the opinion that even though within the purview of the chamber discretion, that the chamber may decide to recall civil party Saw Sarin voluntarily, but this is against the willingness of this particular civil party that he wished not to make any further clarification or testifying to this chamber, provided that he not be provided with the appropriate protective measure. If the chamber decide to recall civil party Saw Sarin, I don't think that this is useful because he has already stated his position very clearly. Now, with respect to the status of Mr. Saw Sarin, according to the prosecutor's request, his status shall be withdrawn or changed to that of the witness, and I believe that this request is not appropriate because the civil party is entitled to certain rights over the past many years. In the start of our proceedings, Mr. Saw Sarin has appeared before this chamber as the civil party. But in the last minute, the prosecution request that Mr. Saw Sarin be a status be changed to civil party, and he also suggests that coercive measure may be considered in this respect, and I believe that this is not appropriate. Mr. Saw Sarin appears as a civil party in case 02/01, and his intention was clear. It was to tell the court of his suffering and harms that he has sustained, and he also requests for reparation for the harm he has sustained. Enduré. Et donc il recherchait des réparations à ce titre. And he appears before this chamber to enlighten the chamber in relation to the facts, and so that the chamber would take his account of facts into consideration for its decision. And in any case, Mr. Saw Sarin shall not be forced to change his status from being a civil party to that of a witness, and that is provided explicitly in Rule 23. And the civil party may appear before the chamber as a victim who has sustained morally or physically and psychologically from the alleged crimes. And I believe that the application by the prosecutor
is not appropriate because if a person who is a victim, who has already expressed his harms and suffering from the alleged crime, this person would not be in the position to provide a balanced testimony or balanced evidence to the chamber. And in addition, I am of the view that the prosecutor might be in its consideration of the change of status between of Mr. Stephen Hedders from being an expert to the witness. But I believe that with this particular civil party, this is completely different because the subject matter is different and the status of witness and civil party must be clearly distinguished. The President, thank you for your observation, and Mr. Prosecutor, you may proceed. Monsieur le Procureur, vous pouvez continuer. The President, Mr. Prosecutor, please hold on because the international lawyer for Mr. Kusampon is on her feet. You may proceed, Counsel. Oui, merci, Monsieur. Yes, thank you, Mr. President. We have been having problems with the channels this morning. The President, it appears that there is a problem with the interpretation. Court officer, could you please check with the interpreting booth to make sure that everything is working well? The President, now it works well. Counsel, you may proceed. Vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai extrêmement brève, simplement pour dire qu'une fois n'est pas coutume du côté de la défense de Pio Sampan, nous souscrivons à l'analyse juridique faite par les co-avocats principaux des victimes en ce qui concerne le fait qu'il n'y a pas d'assimilation possible entre le statut de témoin et le statut de partie civile. Et pour que ce soit bien clair pour les transcriptions, je rappelle à ce sujet les écritures que nous avions déposées devant cette chambre le 4 mars 2013, E267-1, dans lequel nous expliquions en quoi les accusés et les parties civiles avaient un statut particulier puisqu'ils étaient partis devant cette chambre. Je noterai aussi que je trouve particulièrement étonnant que nous passions d'une première requête des coprocureurs en une demande de protection particulière de la partie civile Sarsarine pour en revenir maintenant parce que la partie civile a fait valoir son droit de ne pas vouloir comparaître dans les conditions fixées par la Chambre devant elle, que l'on passe maintenant à une demande de sanction. Je trouve que le grand écart est important et je trouve qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des coprocureurs en rappelant évidemment ce qui a été dit par mes confrères, à savoir qu'il n'y a rien de nouveau entre ce que vous avez décidé. Il ne s'est rien passé de nouveau entre la décision que vous aviez rendue et la demande de reconsidération. Donc, nous vous demandons purement et simplement de rejeter la demande des coprocureurs. The coprosecutor's application should be quite simply rejected. Thank you, says the President. Mr. Merci, Prosecutor, you may proceed. Vous pouvez prendre la parole. Thank you. The President, Mr. Prosecutor, please hold on. National lead co-lawyer for the civil party, do you have anything to say? Counsel Pagan. Thank you, Mr. President. I apologize. I would like to clarify on one issue before the prosecutor made a response. Of course, Counsel Antakise is misrepresenting the point of the lead co-lawyer for the civil parties. Our position is very clear. We want Mr. Sorsarin to appear before this chamber, and we also seek appropriate measure by the chamber so that he can come to testify with confidence, and he
do not have any fear coming to testify before this chamber. So once again, I believe that the council is misrepresenting our position, and I would like to reiterate one again that our civil party would like to testify before this chamber. He really wants to enlighten the chamber and the public at large, and he wants to contribute to ascertaining the truth. This is my point of clarification, Mr. President. Thank you. The President. Thank you, Mr. Prosecutor. Please proceed. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Let me make a few points in response to what has been said this morning. First, let it be very clear, we are not arguing that Sarsourin should be treated as a witness, rather that he be treated as a party to this proceeding. Parties to legal proceedings have obligations. They have rights. They also have obligations. With regard to the authority of the chamber to summons Sarsourin to testify, we believe it is clear under the internal rules. I will not repeat the discussion of the rules that is in our filing, but wish to highlight two provisions. Rule 41, which my friend has raised this morning. Rule 41.1 clearly states that a summons is an order to any person to appear before the ECC and that it may be issued to a civil party. And Rule 41.5 is even more specific. It states, quote, at the trial stage and beyond, civil parties may be summoned through the civil party lead co-lawyers. And, Your Honors, this is a standard rule not only in France but in virtually all courts, pursuant to which parties to the proceedings may be directly compelled by the court through an order to their counsel. The court does not need to send someone out to serve a summons on someone who is a party to the proceeding. They can issue the order directly to their counsel. Rule 59.1 and 59.6 are also significant on this issue. Rule 59.1 provides authority to the co-investigating judges during the judicial investigation to interview civil parties. And what is particularly interesting in this rule is Rule 59.6, which specifies certain conditions in order for an ECC investigator, as opposed to the investigating judges, to interview a civil party. And one of the conditions in order for an investigator to interview a civil party is Rule 59.6A, which provides that the civil party must, quote, expressly agree thereto, such agreement being mentioned in the written record of interview, end of quote. This requirement of agreement from a civil party only applies when they are to be interviewed by an ECC investigator pursuant to a rogatory letter rather than by the judges. It does not apply if the judges interview, nor is this requirement of the agreement of the civil party extended to testimony of civil parties before this chamber. Finishing on some of the rules very briefly, Rule 35, and I sincerely hope we never get to have to deal with Rule 35, but I would note that Rule 35 applies to any person. That is the language. Any person who does not comply with a court order is subject to Rule 35. It does not only apply to witnesses. Let me briefly comment on the inherent power that any court has to issue orders to parties who have appeared before it.
The reason I say that we did not ask you to treat Sarsaren as a witness at this stage is because you have more authority over parties than you do over witnesses. More authority, not less authority. A party is someone who has voluntarily submitted themselves to the jurisdiction of this court and is asking the court for relief, asking the court to issue reparations on his behalf. And like any party who has submitted himself to the jurisdiction of a court, he is subject to orders of the court and obligated to comply with those orders. No one here contends that Sarsaren has any immunity or privilege. He's not the king, he is not the law, he is not a judge of this court, he is not above the law. Il n'est pas it is not for him to decide whether or not he testifies. De décider, that is de déposer a power ou non. That your Cette honors prérogative have. Incombe au juge. And Sarsaren's responsibility as La a party responsabilité to these de proceedings en qualité is de to comply party, with your orders. C'est de respecter les décisions des juges. We have addressed this in our brief Nous and traitons Cela the civil parties mémoire, and the defense do not contend la partie civile et la that défense, a victim or a civil party has a general right to remain silent like the accused do. As indicated in our brief, it is clear et la partie civile under Article 35G of the ECC law that the general right to remain silent is a right that an accused has. The reason we cited Rule 28 is that I would think that a civil party would have the same right that a witness would have if a situation arose where a question was posed to them that potentially would incriminate them, that they would have a right to exercise in that situation. But we are not dealing with that situation here. We are asking Sarsaren to testify about statements, very damaging statements made by Nunchea and Kyusum Pan, statements that would incriminate the accused, not incriminate the civil party. Ce sont les déclarations qui sont à charge des accusés eux-mêmes, Your Honors, et non pas de la partie civile. The testimony of victims is an essential part of Les criminal prosecutions. De victimes sont un aspect essentiel Most victims d'un do procès. Not have to be compelled La plupart des victimes to testify. Ne doivent pas être contraintes they do so à déposer puisqu'elles le font volontairement justice. Dans leur volonté Where they have de tenir legitimate justice. And reasonable concerns Quand il existe des for their safety or security, pour leur appropriate sécurité, measures can be taken des mesures appropriées to protect peuvent them. Être prononcées en vue de la protection de ces personnes. There are, of course, some criminal cases where victims may not want to cooperate and testify. One sees this in domestic courts, for example, sometimes in cases of family abuse, pour certains cas de mauvais traitement au sein des familles, par exemple. And that is one of the reasons that we bring this motion. We believe it involves a fundamental issue regarding the authority of this court and the obligation of victims or civil parties to provide testimony. The role or the responsibility of the prosecution here is to represent the interests of all the people, to represent the public interest in pursuing a prosecution. And not just the interests Nous ne of représentons the victims. Pas seulement les intérêts that des is why victimes. We have separate skilled C'est counsel here pourquoi whose job it is to specifically represent the interests of the civil parties ici des avocats and the victims. Sont chargés spécifiquement de représenter les parties civiles In order et les victimes. To fulfill that important public interest, Pour pouvoir défendre it is fundamental l'intérêt public, that any court Nous considérons qu'il est have the authority essentiel to compel que tout tribunal soit habilité à obliger the rare, des admittedly rare à déposer dans les rares cas où il est nécessaire d'agir de cette façon. So while victims certainly have rights les victimes ont certes des droits in relation to how their testimony is provided, quant aux modalités the possibility de leur of protecting their identity
quant à la protection de l'identité, par exemple, in closed proceedings. Le droit est prévu de déposer à huis clos. Of having security temporarily assigned to them. Un droit de disposer d'un personnel de sécurité temporairement, mais les victimes n'ont pas le droit de garder le silence et de refuser de déposer. Your Honors, of the over 4,000 civil parties who have joined the case to proceedings. Il y a plus de 4,000 parties civiles dans cette affaire. These people, these are good people. Ce sont des gens bien. They are victims of this period. Ce sont des victimes who have taken valuable time out of their lives to become part of these proceedings. Ont pris to share their stories, pour s'associer to seek à ce justice procès, for the victims pour faire connaître of the Khmer leur expérience et obtenir la justice au nom des victimes des Khmer Rouges. Sarsaren is not a typical civil party. N'est pas une partie nor civile is he an example ordinaire, or role model ni for the other un civil exemple parties. À suivre pour les autres parties civiles. The role models, the people les who exemplify what suivre, it means to be a civil party, de partie civile modèle, are those who came to this courtroom, ce sont les gens qui sont venus ici, sat in that qui box, ont pris place à la and despite the difficulty of reliving their years, malgré toutes les difficultés had the courage to testify ont eu about what happened to them. De parler de ce qu'ils avaient traversé. The people who exemplify les gens being qui a civil party comme are those de partie that have come to be with us here in this courtroom every day. Jour. Every day, people, civil parties, have ce taken the time to come to de leur this courtroom to remind ici, us what this case is about. Jour, Sarsaren is somewhat atypical lui because he was a cadre during the DK period. C'était un cadre who received durant la période political du training démocratique. From il a both reçu Nguyen Chea une formation and Kusumpan. Que lui a imparti and therefore Nguyen he has somewhat unique information that distinguishes him from most other civil parties. Qui le distingue de la plupart des autres that is clear from his DC CAM ceci interview, ressort clairement de ses which interviews we have put before DC CAM. Your Honors. Qui ont été présentés ici dans le prétoire. Briefly, that soit dit en passant, Mr. Sarsaren was Monsieur very well aware when he provided this detailed interview to DC CAM that this information would be provided to the il court. Savait certainement que ces informations at the very seraient communiquées start of his DC CAM interview, dès le début de which son is document D230/1.1.874C, the DC CAM representative informed him that his interview may be submitted to the court afterwards. Que le PV and de Sarsaren responded, et voici ce que répond Sarsaren. Yes, je vais le citer. No problem. Oui, je le sais. I am happy je n'y vois aucun and would also like to testify before cela me convient, a court of law et d'ailleurs, je suis for aussi the prosecutions devant of those senior leaders. Dans le cadre des poursuites Sarsaren contre was also dirigeants. Told and agreed that par ailleurs, his interview Sarsaren could be used in DC CAM's magazine Searching for Truth. He then proceeded to provide Searching for the Truth. Extremely detailed ensuite, account il of speeches of Nguyen Chea and Kusumpan. Concernant les discours prononcés par Kusumpan et par Nguyen Chea. I will not repeat all of what is in our brief, but je I do want to le reiterate de notre here mémoire, that mais an important part of those speeches dire, reflect qu'un aspect the policy important targeting de ces former officials and soldiers of the Lano regime. Regime de Lano. For example, je prendrai un exemple. He described a speech of Nguyen Chea as follows. Prononcé par Nguyen Chea, et voici les termes employés par Sarsaren. Regarding CIA, we concernant must smash CIA, the CIA of nous devons America. Éliminer la CIA it is américaine. Easy to smash the CIA. Il est facile d'éliminer le président interrompt. Maître, Mr. Prosecutor, veuillez attendre. Please hold on. I noticed la that parole the defense counsel est à la défense de Kusumpan. Je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, excusez-moi, j'interviens excuse à ce stade-ci et j'objecte parce que nous nous écartons de la question de savoir si, oui ou non, il y a besoin de reconsidération et quelle est la réponse que les coprocureurs apportent à la question de savoir si une partie civile peut être, oui ou non, forcée à venir témoigner devant la Chambre. Là, nous sommes en train de glisser très subtilement vers une nouvelle plaidoirie de Monsieur le coprocureur sur ce que le contenu
du témoignage qu'il attendait de M. Sarsarin, et ce n'est pas le lieu de le faire ici, et c'était la raison de l'application orale et des observations qui ont été faites par les différentes parties. C'était de savoir si oui ou non il y avait des éléments qui permettent de forcer M. Sarsarin à venir témoigner en sa qualité de partie civile, et c'était sur ce point qu'il était important que l'éco-procureur réponde. Je rappelle sur ce point qu'il y a quand même un élément extrêmement important qui n'a pas encore été évoqué à l'audience, mais qui figure dans votre décision, à savoir le document de Wesu E29-460, où un entretien détaillé a été mené avec M. Sarsarin sur les conditions dans lesquelles il voudrait ou ne voudrait pas venir devant cette chambre. Je pense que la discussion doit porter dessus et non pas revenir sur, en détail sur ce qui est dit dans les documents d'ECCAM ou sur ce qu'attendait M. le coprocureur ou de ce qu'il entendait interpréter de ce qui a été dit par M. Sarsarin. La discussion doit être circonscrite et je ne voudrais pas que nous entrions dans des plaidoiries avant l'heure sur le fond. Mr. President, with all due respect, the Nunchea Council has challenged whether there are grounds for reconsideration and correctly noted the test. Our motion was based on two of those grounds. One, that the decision had a legal error. That is the issue of whether or not the trial chamber has the authority to compel Sarsarin to appear here and testify. An issue I've dealt with. The second ground for reconsideration is whether an injustice would be caused. And that is the reason for noting the evidence that this witness would provide. That Sarsarin would provide. This is not simply a person who would come to court to tell his experiences as a victim. This is a person who has compelling evidence regarding statements by Nunchea and Kusumpong. And that is the basis for our argument that an injustice would be done if Sarsarin is not compelled to appear here. So if I may proceed, Your Honors, to finish this quote, because it is important. We have a defense counsel here who continues to assert that there is no evidence of a policy. We have Mr. Sarsarin, who has provided a detailed statement to DCCAM of a speech by Nunchea in which he specifically discusses the policy to target specifically certain politics, prenant pour cible certain persons. The prosecutor, please wait. The counsel for Nunchea, you may proceed. Mr. President, just a brief observation. Basically, in line with what the Curzon defense team has just argued, this is information de ma concert, that we all knew when Sam Sarsarin was testifying here. Lee has given a testimony est venu to that alleged effect. It's nothing new. What we would like to hear is what is new since the decision of the chamber. Ce qui nous intéresse, c'est la décision de la Chambre de ne pas réentendre cette personne. Il est inutile de revenir sur la supposée importance de ce témoignage. Car si l'on se livre à cet exercice, nous sommes prêts à défendre nos six demandes de comparution témoin, notamment TCW-223, demande déposée hier. La Chambre se prononcera en temps opportun. Pourquoi est-ce que l'accusation est autorisé à ressasser une fois de plus des arguments qui sont déjà bien connus de tous. Mr. President, it is le président Interim. The prosecutor, please make your point brief. Veuillez être concis, monsieur le coprocureur. The floor is not for you to repeat si your written vous avez la parole, ce n'est which pas we already have. Pour répéter vos écritures. Nous en avons déjà pris connaissance. Because the internal rule does not specify that the chamber le shall reconsider its own ne prévoit decision. Pas la possibilité que la chambre reconsidère However, ses propres décisions. As your request is toutefois, related to the right and the benefit of the civil party est lié
And for that reason, the reasons were given by the lead co-lawyers for the civil parties. Les co-avocats principaux se sont vus accorder le droit d'intervenir. And as you have noticed, so far, this is the only disagreement between the prosecution and jour, the lead co-lawyers. À ce jour, il s'agit de la première divergence entre l'accusation et la partie civile. Right of their client. Il semblerait and for that reason, que votre demande aille à l'encontre des droits du client des co-avocats principaux and pour les parties civiles. The reasons were given by C'est pour cette raison lawyers que la parole a été donnée à la partie civile. And the floor is not given at length to the prosecution. To repeat your written submission. À répéter le contenu de ces observations écrites. And if you can respond, please respond briefly si to what has just répliquer, been raised veuillez le faire by brièvement. The lead co-lawyers for the civil parties and that can use it aux observations des co-avocats principaux for the pour decision la making. Ensuite, and we reminded all the la parties Chambre en tiendra compte pour regarding se this point before we Ceci hand the floor to the parties. À tous. Thank you, Mr. President. Let me proceed on, and let me just simply note that one of the issues that Mr. Coppé raised, the third ground for reconsideration, whether an injustice would result, is related to the substance of his testimony, and I will not repeat it again. It is in our various briefs. Cela se trouve dans nos écritures. Let me conclude by saying this. By refusing to testify en refusant and provide de déposer, the important information en refusant that he has de fournir à la to this chambre court, les informations importantes dont il est en possession, Sarsarin has let down his fellow civil parties a fait faux bond and harmed aux autres their parties civiles. Il a porté atteinte à leurs intérêts. He violates the fundamental responsibility il a violé and la obligation responsabilité fondamentale, les obligations that the fondamentales 3,999 other civil parties have that they have gladly fulfilled respecté without par les the need 3,999 for compulsion. The obligation to provide to this chamber il s'agit de relevant information de à la that is in their possession. If Sarsarin wants to be a party si Sarsarin to these proceedings, en tant que he must au come procès, and testify, il and I would hope he would do so déposer. Voluntarily. Qu'il le fera. But if not, this chamber does have the authority si le cas, to order him to Chambre testify, and it should do so. À lui ordonner and we would de venir respectfully là-bas. Submit that to order him to testify would not infringe the rights of any civil parties. It would not be an affront to the civil parties. Quite the opposite, we believe it would affirm the vital role that civil parties and victims have in these proceedings, the importance of evidence they may provide, and the fundamental responsibility they have as parties aussi confirmer leur to provide relevant evidence en tant que partie that assists this chamber in ascertaining the truth. That is our submission, Your Honor, and I appreciate the time. Thank you. Parvenir à la manifestation de la vérité. Merci. Le président. Thank you, and Judge la parole LaVergne, est à please take the au juge Jean-Marc Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. J'aurais une question à poser à l'avocat de Monsieur Sarsarin. Question to put to Mr. Nous avons entendu ce matin lawyer. Que, morning, selon lui, we heard M. Sarsarin that, aimerait as he holds, venir témoigner. Mr. Sarsarin would like to come and quelque testify. Chose qui a été dit et redit, it's been said y compris à more cette than audience. Once, including in the courtroom this Nous morning. Aimerions savoir exactement ce que veut dire Now, we would like to know, l'avocat de M. Sarsarin lorsque il soutient telle affirmation. When he est-ce que makes il y a statement? Eu entre lui et son Does client mean that between une discussion and his client, quant there has been a discussion aux demandes about de mesures de protection qui ont été présentées quest quant aux limites et aux faisabilités de telles mesures de protection devant cette juridiction, and about devant les CEDC. The, extent Je crois qu'il of any est clair, such protection measures et la Chambre within the l'a clarifié, ainsi que l'unité de soutien et d'appui aux victimes, made it clear, as un certain nombre Wessel de demandes as présentées well, par M. Sarsarin that sont ou irréalistes
certain number of the requests submitted by Mr. Sassadin are either impractical or unrealistic. Son avocat aujourd'hui, c'est qu'il aimerait venir, même si ces demandes, même si ces mesures de protection ne sont pas accordées, ou if the protection measures are not granted, is that right? Or je pense aussi qu'il a dû lui expliquer qu'il était dans l'intérêt de tout le monde que M. Sassarin puisse apporter, faire des déclarations qui soient utiles dans l'intérêt de la justice. Mr. Sassarin should come and make statements in the interests of the furtherance of justice. Maître Pic Han, une fois de plus, bonjour, mesdames, messieurs les juges. To respond to the question by Judge Lavergne, pour répondre à la question du juge Lavergne, j'aimerais préciser ceci. Sor Sarin a toujours l'intention de déposer devant cette chambre. And it is not what has been raised by the prosecution. Contrairement à ce qu'avance l'accusation. When he is available and free from his work, lorsqu'il sera disponible, he always wishes to participate in lorsqu'il aura the proceedings du temps, before this chamber. Il he is sera a prêt à participer. Civil party to this case. Il sera prêt à déposer. And even today, despite his busy schedule, à ce jour même, is here to aujourd'hui listen même, to the même s'il est très occupé, Monsieur Sarsarin Secondly, est présent et il suit we have had cette audience. Discussions with Mr. Deuxièmement, Sarsarin regarding nous avons discuté avec Monsieur Sarsarin au sujet des mesures de protection so that it can envisagées of his safety concern afin if he d'apaiser ses craintes testifies. En matière de sécurité au cas où il viendrait déposer. In particular, it related to certain major issues. En particulier regarding the instructions given by the accused during the Khmer Rouge regime. Données par les accusés à l'époque du régime Khmer Rouge. The chamber may grant him limited measures. La chambre Mr. Sassarin is of the view lui accorder certaines mesures limitées. Appropriate measure has not yet d'après been granted to Sarsarin, him. Cependant, and for that reason, les mesures adéquates ne lui ont pas encore été accordées. C'est pourquoi il maintient la demande qu'il avait adressée à cette chambre auparavant. And we are of the opinion that the chamber shall revisit à nos the yeux, la chambre again, so devrait that revenir appropriate sur la question measure can be granted de façon à accorder à M. Sassarin des mesures de protection particulières lorsqu'il viendra exercer son droit de déposer he devant cette chambre. Which is not to transfer par or ailleurs, to change his status from civil party to a witness. Changer de statut pour and devenir un témoin plutôt qu'une partie civile. I am willing to rest au for cas the clarification où je n'aurais pas été suffisamment clair, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Une première demande de précision. Monsieur Sassarin est-il présent aujourd'hui dans cette detail. Salle d'audience? Is Mr. Sassarin present here today at this hearing? Maître Pic Han. Yes. Oui. I met him in the court this morning. Je l'ai rencontré ce matin au tribunal. But I cannot see him right now. Je ne le vois pas, cependant, à l'instant même. I think he is in the public hall. Il doit être dans le corridor de la galerie du public. Dans ce
je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bien, puisque Monsieur Sassarin est disponible, je pense qu'il peut venir dans cette salle d'audience et prendre place à la place lui réservée, et il pourra nous apporter directement et personnellement toutes les explications que l'on attend. The box, and then he can give us the explanations that we are seeking. Le président, please bring Mr. Sassarin into the court. Veuillez faire entrer Monsieur Sassarin dans le prétoire. La parole est à l'accusation. Thank you, Mr. President. Merci, just a procedural issue. Juste une question de procédure. If the purpose of this is to make further inquiry et de poser des questions à Sarsarin au sujet d'éventuelles menaces, au sujet de son sentiment d'avoir besoin de mesures de sécurité. Si tel est l'objet de cette procédure, à notre avis, cela devrait se faire à huis clos. La partie civile ne devrait pas être amenée à parler publiquement d'éventuelles menaces à son encontre. Si tel est l'objectif de la Chambre, nous pensons qu'il faudrait procéder à huis clos. Monsieur le Président, je pense qu'effectivement, si les questions de mesures de protection, on devrait en parler à huis clos. I think if we are talking about protection measures here, then we should talk about them with the person concerned. Le président, allez-y, Maître Coppé, you may proceed. Maître Coppé, I might be mistaken, Mr. President, but I thought this was already done by Wissu. We have a copy of what he wants. Que cela avait été fait par l'outil d'appui aux témoins et experts. Je pense que l'on sait exactement ce qu'il veut. Pourquoi revient-on là-dessus? Il s'agit de demandes intéressantes, certes, mais je me demande pourquoi il faut revenir là-dessus. Et pourquoi faudrait-il passer à huis clos, puisqu'il a fait la même demande la dernière fois dans une séance publique.
The President. President. The Chamber wishes to advise the party that the Chamber will conduct la chambre conduira this questioning in public. Interrogatoire en public. He is present here. However, the Chamber wishes to advise the party that parties are not granted the floor to put the question to this individual. The Chamber will put the question to this particular person. Court officer is now instructed to usher in Mr. Sarsarin. Veuillez accueillir Monsieur Sarsarin. The President. Good morning, Mr. Sarsarin. Bonjour, Monsieur Sarsarin. The Chamber la chambre receives the report from the vaisseau. Le rapport de la, de l'unité d'appui unit concerning your rejection to come to testify before the chamber, and the grounds for such rejection was identical to your oral assertion before the court concerning your personal safety and security, and you requested that the chamber provide you protective measures, and the protective measure you have been requesting to the chamber is falling beyond the competence of the trial chamber. This is not within the competence of the trial chamber. For this reason, the chamber decides not to consider recalling you to testify again before this chamber. The chamber is vested with the authority to provide certain protective measures. However, your request for protective measure of providing you a lifetime security protection, security guards accompanying you and relocating you to a second country, this is not provided for in the internal rule of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia. And today we have heard respective observations by the parties to the proceeding, particularly the lead co-lawyers for the civil party made it explicitly clear that you still intend to testify before this chamber in public. This is the reiteration of the position of the lead co-lawyers for the civil party, and this has differed slightly from your statement earlier on that unless you were provided with the security measures that you requested the chamber, you would not be willing to respond to question or testifying before this chamber. Can you please now reaffirm your statement? Are you willing to testify before this chamber without any condition attached, or you are still requesting the protective measure you made to the chamber earlier on? Mr. Sarsarin. Monsieur Sarsarin.
My respect to Mr. President, Judge Nirnon, and good morning to your honors, members of the bench. I would like to reiterate my willingness and position concerning my intention to testify before this chamber. Thus far, I have submitted my request as reiterated by the President. This is the fact, and I would like to maintain this request because the testimony that I will be providing to the chamber has a far-reaching implication. It affects Mr. Khieu Samphan and Mr. Nguyen Chia, and it is not confined to only them. But when I raise these accounts, it will affect with the neighboring country, and then my security and safety will be at risk. This is my brief reaffirmation of that, and according to the lesson I took in the past, if you raise this event, then of course it involved other neighboring countries like Vietnam and other countries. And then if I raise this issue, then I fear of my personal security and safety if you do not provide me protective measure, or you relocate me to a third country, to a second country in the West, or I can be sure that my personal safety and security is secure, then I am not willing to respond to the question. The President. Thank you, Mr. Sosarin. Merci, Monsieur Sosarin. And Your Honours, do you have any question to put to Mr. Sosarin? Judge Lavergne, you may proceed, please. Monsieur Sosarin, Judge Lavergne, vous pouvez prendre la parole. Oui, Monsieur Sosarin. Yes, et pour Mr. que ceci soit Sosarin. Parfaitement clair, in order that what nous avons entendu vos demandes de mesures de protection. Je pense que vous avez également entendu et eu connaissance du rapport de l'unité de soutien d'appui aux témoins et victimes. Ces demandes de mesures de protection ne pourront pas y faire droit. Nous ne pouvons pas les accorder. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a qu'une seule question aujourd'hui qui se pose. Est-ce que dans ces conditions, vous acceptez, oui ou non, d'effectuer une déposition devant cette chambre? Est-ce que cela est clair? Is that clear to you? But man mien te. No, I don't. But man mien bithenakat. I only accepted to testify before this chamber on the condition that I am provided with the protective measure I have requested. Otherwise, I would like to reserve my right not to testify. The President. Thank you, Mr. Sosarin. You are now excused. You may leave the courtroom. On this issue, the Chamber will render its decision in due course. The time is now appropriate for the morning break. The chamber will adjourn now and resume at 11. The court is now adjourned. Some change culture. L'audience est levée.